maquillage tellement nerveux, je pense que je vais m'évanouir. C'est facile. Fais comme si tu rentrais dans le salon chez nous. Dans le salon, il n'y a pas 15 000 personnes qui nous attendent. Oh. Es-tu sûr qu'il faut que je sois là? Certain. C'est un moment historique dans l'histoire du National de Québec. Ce soir, la direction de l'équipe, ses partisans et ses coéquipiers s'unissent pour rendre hommage au plus grand joueur à avoir porté l'uniforme Fleur de l'Isée. Il restera le capitaine, le leader du National malgré sa retraite. Mesdames, messieurs, accueillons Pierre Lambert. Tu te rappelles de bons souvenirs, Jacques? Les plus beaux de ma carrière, Jean-Paul. Ah oui, c'est... Pierre Lambert aurait été le meilleur joueur que j'aurais eu l'occasion de coacher dans toute ma carrière de hockey. C'était un leader, un gars d'équipe comme on en voit rarement. Et l'ovation dure toujours, Jacques. On s'entend à peine parler et je crois que Pierre Lambert est prêt. Si. Je garde dans ma mémoire, dans mes souvenirs, tout ce que j'ai vécu ici, dans cet uniforme. Je vais me souvenir encore plus de ce moment. Merci. Pour souligner cette soirée, la direction du National remet une peinture à Pierre Lambert. Elle est du célèbre peintre Jean-Paul Lemieux. Et ça te surprend cette retraite, Jacques? Oui, un peu, oui. Il me semble que Marc Gagnon aurait pu forcer la note pour qu'il revienne au jeu cette saison. Tu sais, les problèmes de dos, souvent, ça disparaît comme c'est venu et sans trop savoir comment. Ben justement, à cause de ce malaise au dos, on sait que Lambert n'a disputé aucun match cette saison. We'll be right back.
je m'étais trompé. J'ai commis une erreur. Oh non. Tu t'es pas trompé, Pierre. Hey! T'as qu'à passer une autre saison comme la dernière. T'es bien mieux d'accrocher pour de bon. Tu vas voir. On va recommencer une nouvelle vie. J'ai 30 ans, je suis déjà retraité. Eh bien, Jacques, c'est une saison qui prend fin de façon quand même assez abrupte pour la Nationale. C'est pas le scénario auquel on s'attendait. Faut dire que des jeunes comme Jim Duchesne et Étienne Tremblay ont vraiment fait leur part. Mais malheureusement, il y avait un élément important qui manquait, je pense, au National cette année. Ah, effectivement, Jean-Paul, moi, je voudrais pas ressasser des vieilles affaires, mais cet élément important-là, pour nous, Pierre Lambert. Et un gars comme Lambert a manqué au National durant toute la saison, et là, on le voit plus particulièrement durant les séries éliminatoires. Chaque partie, chaque jeu est important, et ce genre de leader qu'était Pierre Lambert va manquer au National pour encore de nombreuses années, j'en suis certain. C'est vraiment à se demander, Jacques, jusqu'où aurait pu aller le National avec un Pierre Lambert en grande forme? Oh, 5 jours par semaine. Hey, elle est encore à gauche, là. Elle est encore à gauche! Pierre? Hey, allô? Hey, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je savais pas que tu t'intéressais au golf. Je poursuis mon amoureux. Ouais? J'arrive de Trois-Rivières. Hey, chanceux. Toi, tu dois pas pouvoir jouer avec ton dos? Ah non, moi, je me contente de serrer les mains, là, puis... Wow! Pierre, tu penses pas que tu vas regretter ta décision? C'est pour un article, ça? Disons plutôt pour la vieille complice. La vieille complice. Celle qui m'a mis dans la marde si souvent ou celle qui nous a aidé à acheter le National? Ah, c'est pas mal dur. Je pensais pas que ça serait comme ça. J'ai réagi trop vite. Je me suis fait avoir. Tout le monde m'abandonne. Gagnon à l'air, il me parle plus. Ma femme travaille tout le temps. Hey, va pas écrire ça, là. Je suis déjà assez dans la marre de même. On s'en reparlera après ta démission. Pourquoi tu viens pas avec moi cet après-midi? Oh, tu sais, les tournois de golf, ça m'intéresse pas tellement. Ça veut dire que Guy va passer toute la journée à la garderie. Mm-hmm. Ça veut dire que ton fils va encore passer toute la journée à la garderie. Oh! À moins que tu sautes un après-midi de golf. Je peux pas. Ça te ferait pas mourir. C'est ma job. Les promotions d'été. T'avais pas parlé d'un poste de vice-président ou de conseiller dans le département de hockey? Oui, oui, oui. Je vais aller voir le président à l'air. J'espère que ça va se faire bientôt, cette rencontre-là. Pourquoi? Mais je m'étais fait des espoirs. Je pensais que tu serais plus heureux. Que tous les trois, on serait plus heureux. Moi aussi, je suis pas mal déçu. En tout cas, tu rentres à tous les soirs, puis t'es rendu que je suis plus capable d'entendre le mot golf. Patricia, hein? Mm. C'est pas à messe du dimanche que je vais faire des relations publiques pour la Nationale. Ah. 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 Allô? Bye. Pierre Lambert? Salut. Bonjour, Linda Hébert. Oui, Linda. Excuse-moi de téléphoner à la maison, mais... Comme vice-président au hockey, j'aimerais connaître tes commentaires au sujet de l'échange de Bob White. Bob White? Non, non, écoute, Pierre, joue pas ce jeu-là avec moi. Tu sais très bien que le National vient d'envoyer Bob White au Minnesota. Ils l'ont échangé contre un choix de deuxième ronde. Bob, c'est un gros morceau pour le National, mais il faut toujours rajeunir. Mais c'est quoi cette fonction-là de vice-président au hockey? Ben là, Linda... je peux pas te parler, mon fils vient de se réveiller, OK? C'est ça, bye. Bonjour.
jour. Hein? Bonjour, M. Guy. On vient? On vient matin? On va-tu déjeuner? Oui. Qu'est-ce qu'on va manger? La pizza. La pizza? Non, non. Les céréales. Ah oui. Bob White s'en va donc au Minnesota. Les sélections du National lors de la prochaine séance de repêchage seront donc très importantes. Et j'ai à mes côtés le vice-président et conseiller au hockey du National, Pierre Lambert. Bonjour, Pierre. Bonjour. Pierre, première question. À quoi peut-on s'attendre au premier repêchage? Comme conseiller, tu dois certainement assister au meeting des dépisteurs et être au courant de ce qui se prépare. Même si on se doute du choix qu'on fera, il faut comprendre qu'on ne peut pas en parler publiquement. Bon, d'accord, mais tu peux nous raconter comment s'est préparé l'échange de Bob White? Le cas de White s'est réglé très vite. J'ai pas eu la chance de donner mon opinion. T'es pas au courant pour l'échange de Bob White? Lambert n'exerce aucune influence. Marc Gagnon va demander à son entraîneur de plus faire jouer pendant des avantages numériques. Lambert est sur une tablette de luxe. Mais sacrément, sacrément, ça se peut pas, cette affaire-là! Non, à travail. Tu as un café? Non, merci. Ton grand chum, ton grand amour, le gros boss, il va bien? Ben oui, pourquoi? Qu'est-ce que t'as, toi, un matin? T'as pas lu ça? Mais quoi, ça? L'article de Linda Hébert. Elle. Moi, je l'ai lu, mieux je me porte, hein? C'est quoi encore? C'est qu'elle a écrit que Marc Gagnon s'est organisé pour me pousser à la retraite, puis je trouve qu'elle soulève des maudits bons points. Oh, mais t'as-tu mal dans le dos ou non? Oui. Bon, as-tu une bonne job avec le National pour assurer ton avenir et celui de ta famille? C'est pas là le point. Hey, quand Marc a été congédié, là, il s'est pas retrouvé avec un poste de vice-président. Lui, il avait même pas de chômage. Marc Gagnon, c'est un grand chum, c'est mon beau-frère. Mais s'il m'a crossé, je veux le savoir. Ben, tu sauras que Marc, c'est pas un crosseur, OK? Puis je te trouve pas mal effronté de l'insulter devant moi. T'es ma sœur! Ben oui, puis je suis sa femme! Moi, je m'en vais là-bas, là, puis je vous attends au dîner, il y a une troupe. Lucien, ma troupe, un autre part. Va chercher le président du deux. T'es bon avec, t'as bon collecté, gars, là, l'envers. Ça m'achante de me chicaner avec Pierre. Fais-toi ça, pas. C'est lui qui est plus endurable. Je pensais que ce serait le paradis, hein? Ben, c'est l'enfer, il est jamais là. Aujourd'hui, là, encore à Trois-Rivières. Ou plutôt, c'est bien de même. Quand il est ici, il est marabout, il bougonne tout le temps. Ouais. Hey, Guy, c'est pas encore réveillé. Sais-tu que c'est un ange, bébé-là? C'est pas un bébé. Il a juste d'avoir 3 ans. 3 ans déjà. Mm-mm. Ça va vite, hein? Oui, c'est tu l'as jamais vu, cette photo-là? Ben non. Pierre me l'a montré il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui t'a sorti là, lui? Ben, je suis certaine qu'il y a dans cet album-là. C'est quoi? Regarde la lue que t'avais! Ça, c'est la première fois que Pierre s'est présenté au National. Donc, j'avais 18 ans. Ben oui, je suis pas venue.
sais que trois mois plus tard, je rencontrais le grand Marc Gagnon. Lui, il frappe tout le temps à gauche. Là. Tu penses que ça va aller? Oh oui, oui. Il a repris connaissance tout de suite. T'aimes pas mieux qu'on le conduise à l'hôpital? Non. Il vient de s'endormir, là. Suzy, je pourrais jamais te remercier assez pour ce que t'as fait. Ah, voyons. Je me serais jamais pardonné. Puis Pierre non plus, là. Son fils, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Bon, ben, vaut mieux que je filme, moi. J'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui, sans risquer une explication avec mon frère. Je te rapporterai ton linge demain. Suzy, j'aurais une faveur à te demander. Quoi? J'aimerais ça que tu parles pas à Pierre de ce qui est arrivé, OK? Ça l'inquiéterait point. Je sais que c'est un accident, mais... Il m'en voudrait, puis moi non plus, j'ai pas besoin d'une explication avec lui. Comme tu veux, mais rien à te reprocher si tu veux mon avis. Oh, je sais, mais tu aimerais mieux ça. Allô? Roxane, peux-tu rester à la maison jusqu'à minuit? J'entends salle d'opération, c'est une urgence. J'ai pas de problème. Bon, tout va bien? Tout va bien, Patricia. Il y a juste... Qu'est-ce qu'il y a, mon petit homme? Il est mal commode? Il a beaucoup pleuré à l'heure du souper. Je pense qu'il fait de la fièvre. Probablement un début de grippe. Ben écoute, donne-y du tempra, puis j'arrive aussitôt que je peux. Parfait. Salut. M'énerve, veux-tu t'asseoir, s'il te plaît? Hey, hey, hey! Docteur, ça va? On l'a stabilisé. J'aurais voulu vous poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est, docteur? Votre enfant semble souffrir d'une méningite infectieuse, c'est-à-dire une inflammation importante des membranes du cerveau. Ça se peut pas. J'ai peur qu'il y ait des complications. Vous devez vous préparer au pire. Comment ça, au pire? Votre enfant est dans le coma. Il y a eu des convulsions. On craint un abcès au côté gauche du cerveau. On a préféré le mettre sur respirateur. Faites correct, Pat. Comment il a attrapé cette cochonnerie-là? Un microbe, un virus. Faut attendre les résultats des examens. Docteur, il est arrivé quelque chose. Pierre, c'est pas de ma faute. C'est un accident. Quel accident? De quoi tu parles? J'étais avec Suzy, puis j'étais certaine que Guy dormait. Oui, Guy dormait, puis après? Il est sorti de sa chambre. Puis il est tombé dans la piscine. Quoi? Mais pas longtemps, Suzy a plongé tout de suite, puis elle a sorti tout de suite.
Il y avait rien. Il a failli se noyer, puis tu m'en as pas parlé. Puis tu voles, sacrement! Il n'est pas certain que ce soit relié. Votre enfant devra se battre. Il a besoin de vous. C'est pas le moment de vous mettre en colère. C'était un accident. Tu me l'as caché. Je te le pardonnerai jamais. J'ai préparé une salade. Enfin. Le national a téléphoné. Ça a l'air que. Ils t'ont attendu au tournoi de Balmain aujourd'hui. C'est faux dans le cul, leur maudit job. Pierre Lambert, tu vas m'écouter. Tu vas faire quoi si je m'enlève pas? C'est moi qui vais te tasser, puis vite. Mon petit gars est à l'hôpital. Puis c'est ta faute. Je te demande pardon. Je te demande pardon à genoux si tu veux. Pierre Lambert, si tu t'enfermes là-dedans, toi pis moi, c'est fini! Patricia! Pat! Pierre? Tu vas peut-être me trouver bien large. Mais je suis incapable de supporter ton silence accusateur. C'est vrai que j'ai commis une erreur, mais la chute de Guy est un accident. On dirait que tu oublies que ça s'est mon fils à moi aussi.
crois-moi, j'ai autant de peine que toi. Je t'aime, Pierre. Je commence à me demander si toi, tu m'aimes vraiment. Il me semble que le pardon est essentiel à l'amour. Je pars chez une amie. Nous allons sûrement nous rencontrer à l'hôpital. Je vais aider notre fils à guérir. Donnons-nous quelques semaines pour laisser cicatriser nos plaies. Après, on verra bien. Patricia? Oh, Martine. Oh, Monsieur Allaire est disponible pour le lunch. Ben, c'est moi, sacrement, qui est pas disponible. Demain non plus, puis la semaine prochaine non plus. Tu diras ce que tu voudras, Monsieur Allaire. Hey, garde-moi un peu de shampoing, je sais pas s'il m'en reste. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis désolé, on va appeler la police. Alors, ça va aider. Feuille. Ma montre, ma bague de la Coupe Stanley! Regarde. Université du Noble Art. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. On va le savoir. La Patricia? Non, je veux pas non plus. Elle l'a laissé se noyer. C'est écœurant, tout va mal. Ta job de vice-président? La merde. Tiens, c'est ici. Ouais. T'es sûr que t'as la bonne adresse? Ah, je regrette moins d'avoir lâché l'école au cégep. L'université, c'est moins si rang que je pensais. Ancien champion canadien. Éric Mercure. Puis Pierre Lambert. C'est un honneur. On vient? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon Pierre? Ben là, je cherche un jeune garçon, une quinzaine d'années, voire haut, un peu nerveux. On m'a dit que j'aurais des chances de le trouver ici. Ouais, c'est Fredo. Il a-tu encore fait un mauvais coup, ce petit calvaire-là? Ah, ben non, non, pas vraiment. Il faudrait que je passe et tout. Vous savez où je peux le trouver? Oui, il est en train de laver les douches. Je vais aller te le chercher. Non, c'est correct. On va y aller. Merci. Fredo? Qu'est-ce que tu veux? T'es parti ça au club de golf, je te le rapporte. Pasteur, tu vas me rendre ce que t'as trouvé. Non! Pas de niaisage, mon petit sacrament! Tu vas-tu appeler Bull? On verra ça. Ah ouais, amène. C'est pas ici, là. C'est à la maison. Parfait. Denis, la police? OK, oui, attends. Il manque 50 piastres dedans.
Je l'ai devais à un chum. Je peux plus faire autrement. Hey, tu ne dirais pas au père Jack, hein? Hey, ils vont me crisser dehors. Hey, s'il vous plaît. Je sais pas. Lenny? Pas sûr, hein? Oh, s'il vous plaît, Pierre. Pour ton 50$, là, je te donnerai des leçons de boxe. Tu connais ça? Hey, Denis, il connaît ça. Ben, certain, hein. Ça fait 5 ans que je fais le ménage ici. Ils m'ont tout montré, les gars. Si jamais on veut planter Mac Templeton, là, on viendra te voir. Hein? Juré. Parfait. Le gros Templeton, là, vous allez pouvoir le geler. Comme une bille. Bonjour, Patricia. Allô, mon petit homme. C'est maman qui est venue dire bonjour. Le docteur m'a dit qu'il ne fallait pas se décourager. Tant que c'est stationnaire, il y a de l'espoir. Oui, mais il y a les séquelles. Toi, comment ça va? Je me débrouille. Ça fait du bien de se retrouver toute seule. C'est plate à dire. Ça va, Fredo? Ouais. Je veux mon 50$. Je l'ai pas. Bon, ben, tu vas me rembourser autrement. Hein? OK. Hey, continue tout seul, OK? Je suis avec mon ami. Là, là, je veux m'attendre. Ah, OK. Ouais. Hein?
Ben oui. C'est super. Ok, mon vieux, c'est bon, vas-y. Plus haut, plus haut. Plus haut. C'est ça. T'es plus capable d'arrêter. Faut surtout pas te brûler, hein? Mais non! C'est mon sacrement d'eau qui recommence à faire mal! Ouais, Frido. Ah ouais, ah ouais, next. Vas-y. Ah ouais, vas-y. T'as pas de chance, sacrement! Bêche ici, ouais. Jésus-Christ, tu tombais du 10e étage? Et comment va ton fils? Est-ce qu'il est sorti de l'hôpital? Non, pas encore. J'ai beaucoup voyagé depuis un mois, c'est pour ça que j'ai pas pu te recevoir avant. Alors, j'espère que t'es satisfaite de ta nouvelle job? Non, pas du tout. Comment ça? C'est ce qu'on avait dit. La paye est bonne. On avait parlé d'une vice-présidence au département d'hockey. Je devais être un conseiller. Un homme de hockey qu'on écouterait. Le hockey, ça, c'est la responsabilité de Marc. Tu t'entends bien avec ton beau-frère? Disons que c'était correct, mais ça ne l'est plus. Jusqu'au repêchage, j'ai fermé ma gueule. Je pouvais comprendre. Marc est en vacances. Mon cul! Marc est en vacances à Cap-Rouge, à 5 minutes de chez nous. Écoute, les choses vont se tasser. Il va... Pas question. On m'avait garanti que je resterais dans le hockey. Je passerai pas ma vie à remettre des trophées dans les tournois de golf. Je veux une réponse tout de suite. Allez-vous respecter votre parole, oui ou non? Pierre, je peux rien faire de plus. Non, non, écoute, essaye de comprendre les hommes de hockey, je peux pas me mêler de leur parfait, histoire. Parfait, parfait, parfait! C'est comme ça, ta job de Pierre. Fous-toi aller dans le cul! Puis à part de ça, tu feras la même chose avec tes maudits chèques. Tu me fermeras pas ailleurs avec ton argent.
C'est l'heure du massage, là. Non, pas le temps aujourd'hui. J'ai un rendez-vous. Si t'avais 15 ans de moins, mon Pierre, tu aurais fait un champion avec toi. Ça se fait. Ton régime, c'est l'enfer. Question de perdre espoir. Guy a besoin de vous. Je parlais à Patricia des séquelles possibles. Dehors. C'est toi qui es parti. Est-ce que j'avais le choix? Ouais. Laisse-nous guérir. On en reparlera. Okay. C'est mieux comme ça. Hey, j'ai plus mal au dos. Tableau. Tout est beau. Tu vois ici le disque? Ouais. Ça a l'air beau. Ah, c'est mystérieux, le dos. Moi, je comprends rien, j'ai plus mal. J'ai enduré le martyr depuis 2 ans. Ah, tu vois, Pierre, c'est le disque qui était déplacé. Quand tu forçais, t'écrasais ton nerf sciatique. Ça devait être insupportable. T'as dû poser un geste quelconque, puis ton disque s'est replacé. Mais d'ailleurs, regarde. Il est sorti juste un petit peu, mais de l'autre côté. Il va arriver quoi, Doc? Tu connais Jacques Duranceau? Moi, un ancien gardien dans la Ligue senior. Il joue dans une ligue de garage, à cette heure. Ben, il avait le même problème que toi, mais en pire. Le matin de son opération, on l'a fait étendre sur le ventre, sa table opératoire. Le chirurgien était là, on se préparait à l'anesthésier. Il a senti comme un craquement. Comme moi? Probablement. Il était tout gêné de dire au chirurgien qu'il avait plus mal du tout. Ça fait 7 ans de ça, puis il joue encore au hockey. Puis moi... Est-ce que... Oui, Pierre. C'est sûr qu'il y a du danger. Mais dans la vie, il y a du danger partout. Thank you.
dans ce que j'ai là le plus gros scoop de l'année. La plus grosse nouvelle depuis le retour de Guy Lafleur. Le retour du chat. Pierre Lambert s'entraîne secrètement. Le retour du chat. Es-tu fun? Viens pas me dire que tu pratiques ce sport d'arriéré-manteau pour ton simple plaisir. Laisse-moi patience! C'est pas de tes affaires. D'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'as fait pour me trouver? Linda, le hockey, ça m'intéresse plus. C'est clair? C'est net? OK. Oui, Fredo. Ah, c'est perdu de temps. Attardé manteau. Maudite vieille crébitch. Non, il y a du ton gars. Il était cinq, les gars payent pour la glace. Il s'en vient, il s'en vient. OK, gars, il paraît qu'il s'en vient. Lambert, je suis 10 piastres de monde, ça va t'apprendre à être en retard. 10 piastres? Hey! Tu te ramollis en vieillissant, mon genre? OK, let's go, gars! Let's go, boys! Let's go, gars! Hey! Party, hein? Téléphone! Je vais les répondre, OK? Continue, il te reste 7 minutes! Allô? On se pousse à l'abri de tout. Le tremblement de cœur des remous. Dans la peur d'avoir tout perdu, on reste seul sans défense. Si tu ne restes pas, que me restera-t-il? Je me demande. Excuse. Fais-moi plus jamais mal comme ça. Plus jamais. Plus jamais. Comment remplir ma vie quand tu ne sais. Quoi? C'est pour toi, c'est l'hôpital. Il va beaucoup mieux. Faudra d'autres examens et surtout encore du temps pour savoir s'il y aura des séquelles. Tête de cochon. Tête de cochon toi-même. Amour, pour notre première nuit de lune de miel.
Santé. Merci. Presque trois semaines d'entraînement intensif ont fait de score déjà incroyable. On va recommencer à nouveau. La vie va être belle, 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 comme toi. C'est oui. Je le sais que tu peux me le demander. Ton grand amour adoré est revenu. Ton fils est sauvé. Ton dos est guéri. Qu'est-ce qui te manque pour être complètement heureux? Venir au jeu. T'as recommencé à jouer. Tu devrais appeler Linda Hubert. Tu lui dois bien ça. Quoi? Tu veux rire? Je suis très sérieux, Pierre. Je peux pas faire autrement. Que tu m'aies fourré quand j'ai pris ma retraite, j'aurais pu toujours le prendre. Mais là, sacrement, t'exagères! Assieds-toi, Pierre. Assieds-toi. Je suis sûr que Marc s'est mal exprimé. Hey, fais pas ton smart, Ferguson. Je me suis très bien exprimé. Je suis bien content que Pierre veuille revenir au jeu, mais il n'est pas question d'y offrir un contrat tant qu'on n'aura pas fait la preuve qui est correcte. Jamais! Pas après tout ce que j'ai fait pour cette organisation. Oh, minute, Pierre Lambert! Hein? National t'a donné 1 800 000 piastres pour les deux dernières années. Je trouve que ça fait pas pire la game pour un gars qui a joué 13 parties en 2 ans. C'est écœurant ce que tu fais là. Tu voulais me tabletter, puis là, tu veux m'empêcher de revenir au jeu. Es-tu jaloux de moi, Marc Gagnon? Moi, jaloux? Es-tu malade? Là, Pierre, va falloir que tu comprennes que je suis plus joueur. Je suis même plus coach. Je suis directeur gérant. Faut que je gagne, puis que je respecte les budgets. Tu nous coûtes trop cher pour ce que tu peux nous donner. Je peux pas faire autrement. On va se reparler, Marc. Si je trouve un club qui veut de moi, on va te libérer aujourd'hui, si tu veux. Je le veux. Verrais-tu ça, le numéro 13 dans l'uniforme du Canadien de Montréal? Hein? Après Maurice Richard, après Jean Béliveau, après Guy Lafleur, si vous mettiez la main sur Pierre Lambert, ce serait pas formidable? Regarde l'allée. Il est plus jeune, jeune. Il n'a pas encore 30 ans. Son dos? Guéri, complètement guéri. Tu peux demander tous les examens médicaux que tu voudras. N'attends pas trop, Roger. Il y en a d'autres qui sont intéressés. Tu peux prendre le risque. Où est-ce que Lambert serait le plus heureux? À Winnipeg ou à Montréal? Alors, laisse-moi réfléchir. Je vais peut-être te revenir. Le plus loin que je peux aller, là-dessus, je bluffe pas. C'est une invitation pour le camp d'entraînement. Oublie ça. C'est non tout de suite. Parle-en donc à ton poulain.
Pierre, arrête. Tu m'empêches de me concentrer. Répète-moi donc ça. Un contrat conditionnel, c'est tout ce qu'ils offrent, les Canadiens. Ils sont prêts à mettre sur pied un contrat d'1 million pour les 2 prochaines saisons. C'est raisonnable. Mais ils veulent rien garantir pour l'instant. Ils attendraient le dernier jour du camp d'entraînement pour valider le contrat. Autrement dit, je serais moins bien traité qu'une recrue. Rien de garanti, là, Pierre. Tu te blesses, pas de contrat. T'es malade, pas de contrat. Tu leur as dit quoi? Rien. Je voulais te parler avant de leur dire que jamais t'accepterais des conditions semblables. Moi, j'accepterais. Je leur dirais à ces pourris-là. Pat, tu fais quoi? Moi, quand j'étais petite, je prenais pour le Canadien. Hey, Mike. Donne-moi le nom du club qui ferait le plus chier Marcel Allaire et Marc Gagnon. Canadien de Montréal, bien sûr. Ça les rendrait malade. Isaïe, ça s'en confessait. C'est oui. C'est des vendus, des traîtres. Pierre Lambert a plus de cœur que tous deux autres ensemble. Il y a des choses dans la vie qui se calculent pas en argent. Pierre Lambert appartenait à toute la communauté de la ville de Québec. C'est une institution. Pourquoi Marc Gagnon ne lui a-t-il pas offert un contrat? Et pourquoi Maître Marcel Allaire, le président, celui qu'on voit tout le temps dans les photos, a-t-il été absent de ce dossier? Marc, c'est Allaire. Je t'avais pourtant dit que je voulais pas d'emmerdement avec Lambert. Je le sais, j'avais dit aussi pas de contrat garanti. Mais il me semble que t'aurais pu y laisser une petite chance. Écoutes-tu la radio, là, actuellement? Quoi? C'est pire à la télévision. Avec plaisir. Je suis pas le premier, hein? Merci. Hey! Pierre! Salut! On va enfin te débarrasser de toi. Ouais. Je suis content de t'avoir sur le bord. Merci. Salut, Pierre. Ça va, Christian? Ah oui. En forme? Ah oui, toi? Hey, Macintosh, ça va bien? Salut, mon Pierre, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. En forme? Top shape. Come on, guys! Be on the ice in 15 minutes. Come aboard. On a une coupe à aller chercher, hein? Faire mon possible. Comment ça? Ah.
Double ton trap, double ton trap. You're on the same damn team. Fuck you, pussy. Hey, gardez vos cheap shots pour les games. Come on, come on. Demain, mon petit Guy, c'est pour toi. Roxane est partie. Qui es-tu bon? Un vrai petit homme. C'est sûr qu'il est beau. Il ressemble à son père. J'espère seulement qu'il n'aura pas son mauvais caractère. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au Forum de Montréal et à ce match d'ouverture de la saison mettant aux prises les Bruins de Boston et vos Canadiens de Montréal. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Montreal Forum and to tonight's opening night between the Boston Bruins and your Montreal Canadiens. Tout d'abord, le gardien de but,
the goaltender, le numéro 30, number 30, Gilles Guimond. Le numéro 11, number 11, Yves Laberge. Le numéro 17, number 17, Stéphane Dussel. Le numéro 16, number 5, Jacques Simon. Le numéro 13, number 13, son corps. On croit qu'on n'a pas eu de chance dans la peur d'avoir